Visiblement en plein voyage avec sa compagne, Guillaume Canet l'a filmé à son insu dans la voiture. Assise avec des écouteurs, l'actrice semble parler toute seule et fait d'étranges gestes comme on peut le voir sur la vidéo. Des images qui ont fait beaucoup rire l'acteur et réalisateur de 50 ans qui dévoile ensuite la raison plus profonde de sa publication amusante. Toujours prêt à taquiner sa chérie, Guillaume Canet a partagé deux drôles de vidéos sur Instagram où l'on découvre Marion Cotillard en train de répéter pour un rôle. Assise dans une voiture à côté d'un énorme sac de voyage, l'actrice oscarisée parle toute seule avec des écouteurs dans les oreilles et semble à première vue complètement folle. Mais comme l'explique l'acteur réalisateur et père de leurs deux enfants Marcel et Louise, elle répète pour le film de Mona Hachach, Little Girl Blue, pour lequel elle vient de décrocher une nomination. En légende de ses images, il écrit, 27 novembre 2022 quand tu filmes ta meuf en cachette qui répète un rôle. Pour ceux qui ont vu mon film Rock'n'Roll, on n'est pas loin quand même. Un peu après, Guillaume Canet a célébré le talent de sa compagne qui a été nommée en tant que meilleure actrice pour ce rôle. Nommée pour, meilleure actrice, meilleur documentaire, meilleur montage. Marion Cotillard, Little Girl Blue, un film de Mona Hachach, c'était pour ce film merveilleux, bravo à vous deux. Bravo Marion pour tout ce travail. Je suis fier toi. Hashtag meilleure et actrice, hashtag Little Jerry Blue, peut-on lire. Le pitch du film sorti le 15 novembre 2023. À la mort de sa mère, Mona Hachach découvre des milliers de photos, de lettres et d'enregistrements, mais ses secrets enfouis résistent à l'énigme de sa disparition. Alors par la puissance du cinéma et la grâce de l'incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre. Un film tiré de faits réels, un film tiré de faits réels, puisque la mère de Mona Hachach s'est suicidée. Dans sa cave, elle avait stocké 25 caisses en plastique contenant des milliers de lettres et de photos, des correspondances triées, des carnets et des agendas annotés, les archives colossales d'une famille sur laquelle elle avait déjà enquêté lors de l'écriture d'un livre sur sa propre mère. Raconte nos confrères d'Allociné. Ce passé répétitif pesait sur moi. Ces caisses étaient là, offertes comme par dessin. Jeanne devinait le potentiel fascinant, mais Jeanne connaissait surtout le mortifère. Je ne voulais pas les ouvrir. Je rejetais tout ce qui me liait à ma mère, a confié la réalisatrice. De son côté, Marion Cotillard a été emballée par ce projet démeublé. Elle révèle, c'était un scénario assez spécial, singulier, d'une fluidité et d'une simplicité absolue malgré son caractère composite, avec déjà de nombreuses photos. Fiction? Documentaire? Onirisme? Je l'ai dévoré comme un roman. J'ai été littéralement absorbé par le destin bouleversant de la mère de Mona et celui de la généalogie de femmes qui composent sa famille. Thank you.